Bonjour à tous, Litinois, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la quête. Tous les poissons sont festifs que tu trouveras dans tes missions Dreamlight sous la mention village. Donc, cette mission sera disponible à partir du 18 décembre et pas avant. C'est bien à partir du 18 décembre que les poissons festifs arriveront dans ton village et pas avant. C'est pas le 20, c'est pas le 25 comme on a pu le dire ou l'entendre. C'est bien le 18 décembre en même temps que le papier cadeau pour la mission Ho Ho Ho. Avant que je te montre comment faire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification et puis à me suivre sur Twitch. Comme tu le vois là, on a un cercle vert et rouge qui est donc différent des autres dans l'eau. Ça veut dire qu'on a un poisson festif qui se cache en dessous. Donc il y en a 5 à trouver en tout. Donc voilà, comme tu le vois à côté, on en voit un bleu, hein. Celui-là est vraiment différent, rouge, vert, un peu doré. Voilà, il est assez simple. Les poissons sont attrapés dans les mêmes conditions que les poissons classiques. Ça veut dire s'il faut la pluie, bah, tu dois attendre qu'il pleuve, etc. Donc là, on a un petit calamar festif. On passe tout de suite au poisson suivant. Donc le suivant se trouve sur la plaine. Donc là pareil, alors il est un peu plus compliqué à trouver étant donné qu'il est dans les herbes, mais on voit bien la différence de couleur avec les ronds habituels. Pour les poissons, ils sont pas forcément très durs à attraper, pas plus durs qu'un autre poisson. Donc là on se retrouve avec un bar festif. Notre deuxième poisson, on va aller sur la plage pour attraper le troisième. Donc le troisième, ça devrait être un fougou. Comme tu le vois, il pleut, le fougou se trouve sous la pluie, donc il faut avoir les mêmes conditions. Il est assez simple à avoir, il est beaucoup plus simple à avoir qu'un fougou classique, si ça peut te rassurer. Alors, on attend quelques secondes et voilà, ça y est. On l'a attrapé, ce petit fougou festif avec son petit chapeau tout mignon. On va maintenant passer à l'avant-dernier qui va être dans les terres ensoleillées. Donc on va y aller tout de suite. Voilà, donc derrière moi j'ai trouvé le petit rond rouge et vert et un peu doré. Voilà, pour attraper notre quatrième poisson. Pour information, je ne les ai vus chacun qu'une seule fois. Je n'ai pas pu attraper deux fougous festifs par exemple. Chaque poisson festif n'est apparu qu'une seule fois. Donc là on a notre petit saumon festif, on va aller tout de suite dans les terres oubliées attraper le dernier. Donc maintenant, on va récupérer le poisson qui se trouve dans les terres oubliées. Alors, on dirait qu'il y a deux ronds en même temps. Hop là. Ah, puis sur celui-là s'en mêle aussi. Ouais, il y a bien deux ronds entremêlés, mais nous, celui qu'on veut, c'est bien le rouge et le vert. Alors, il y a un peu de doré aussi, c'est un peu le fouillis. Hop là. Et voilà le petit baudroie festif avec son petit chapeau. Enfin, c'est un peu bizarre, on dirait du gui sur ou du hou sur sa petite antenne lumineuse. Mais voilà, c'est bon, on l'a eu. Donc une fois que tu as eu les 5 poissons festifs, tu vas pouvoir aller récupérer ta récompense qui se trouve dans le menu Dreamlight. Ensuite, il suffit d'aller dans Village et de retrouver ta petite mission, même les poissons sont festifs. Le cadeau, c'est pas une surprise, c'est un chapeau de Père Noël. Je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo où je parlais des 5 défis secrets de Noël. Donc j'imagine que tu savais déjà, si tu suis mes vidéos, quel était le cadeau. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo un peu spoil, mais au moins tu sais qu'il faut attendre le 18 décembre pour pouvoir trouver ces poissons festifs. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à la commenter si tu as des questions, à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Merci en tous les cas de me suivre, d'être toujours aussi fidèle et je te dis à très bientôt. Bye!